Bonjour les amis, ça fait quelques jours que vous avez vu qu'il y avait un trou dans mon programme millésime et je voulais en profiter pour vous présenter mes excuses parce que bon, je suis censé vous envoyer une vidéo par jour du lundi au vendredi et ce qu'il faut savoir c'est que pour ce programme bien entendu vous avez bien compris que les émissions ne sont pas en direct, ce que vous voyez aujourd'hui n'a pas été enregistré aujourd'hui mais bon cela n'importe peu. Et ce qu'il y a, c'est que j'avais avancé vraiment suffisamment longtemps dans ma programmation pour pouvoir pallier à éventuelle surcharge de travail. Et le problème, je tiens à présenter mes excuses parce que, en effet, j'ai eu une surcharge de travail encore plus importante que je n'avais imaginé et je n'avais pas assez de vidéos en réserve. Donc, ce qui fait que vous avez eu un trou de quelques jours dans mon programme millésime. Non pas parce que je l'ai arrêté brusquement, non pas parce que je ne respecte pas mes engagements, mais tout simplement parce que je n'ai pas prévu autant de travail en extérieur. Ce qu'il faut dire, c'est qu'entre temps, j'ai de plus en plus de conférences d'entreprises qui me demandent de venir faire des conférences de motivation sur le sujet de l'optimisme. J'ai été surpris par ce succès. Alors ça peut être intéressant et je pense que c'est intéressant déjà pour moi mais également pour vous. Parfois on peut être surpris, on peut être se trouver face à un succès qui devient plus important qu'on l'imaginait. Et ça bien entendu, ça on le souhaite à tout le monde, je vous le souhaite à vous également cela sous-entend également de la notion de préparation. Alors j'avais l'impression d'être bien préparé par rapport à ce programme millésime pour être fidèle justement à cet engagement par rapport à vous. Et si j'enregistre cette vidéo, c'est justement pour vous qui la regardez. Et bien entendu, il n'y a pas 100 000 personnes qui le regardent, mais ça n'a pas d'importance. C'est aussi un défi que je veux faire pour moi, pour mon métier, pour mon expertise. C'est ma façon à moi de vulgariser d'autres études qui ont été menées par des scientifiques. C'est ma façon à moi de montrer au quotidien ce qui se passe dans la vie. Et comment on peut choisir de réagir face à n'importe quelle situation, qu'elle soit positive ou négative. Voilà, tout ça pour vous dire que je ne vous ai pas oublié, c'est juste que j'ai été surpris par le succès de mes demandes d'intervention. Et ne vous trompez pas, faire ce programme, ça peut paraître très simple, mais ça demande également beaucoup de temps d'enregistrement, de montage, de programmation, de programmation pour l'automatisation de vos messages que vous recevez par email, de façon quotidienne, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, peu importe. Et je tenais justement à vous remercier d'être là, à vous remercier vous tous qui me soutenez, qui m'envoyez des messages d'encouragement. Et pour vous, ça a du sens, pour moi, ça en a également. Et merci parce que grâce à ce programme et grâce à vous, vous m'aidez à justement affiner mon expertise en tant que professionnel de l'optimisme. Voilà, donc je vous dis à demain, simplifiez-vous la vie. Et soyez heureux, n'oubliez pas. Ciao.